Marc Deneau, président de la Société de transport. Au nom du conseil d'administration et l'ensemble des employés de la STS, il me fait plaisir de vous annoncer deux bonnes nouvelles. Vous savez, en période de COVID, on doit trouver des façons justement pour éliminer ou réduire les échanges. Et justement, qu'est-ce qu'on vous annonce aujourd'hui? C'est justement en lien avec des recommandations de la santé publique. C'est pour votre bien et le bien de nos employés. La première, c'est la carte La Vermeilleuse. Vous savez déjà, près de 40 000 utilisateurs du transport en commun ont déjà la carte Vermeilleuse sur le territoire de Sherbrooke. Maintenant, on vous l'offre pour un temps limité de façon gratuite. Habituellement, on vous demandait de débourser 10 $. Maintenant, elle est gratuite. Les avantages, ça devient une carte d'identité, un portefeuille électronique. Et justement, tout à l'heure, quand je vous parlais, on veut éliminer justement les papiers, les correspondances, ces choses-là. Avec la carte La Vermeilleuse, celle-ci vous permet, quand vous prenez le transport en commun, de faire une correspondance dans les 90 minutes suivant votre entrée et de façon gratuite. Donc, ça devient quand même un moyen de transport des plus efficaces. Et dans une petite carte dans vos poches, ça remplace justement ces pièces de monnaie, des jetons. Et en parlant de jetons, si jamais vous n'avez à la maison, vous pouvez passer soit à la STS ou au bureau des Mocards. En passant, les Mocards sont ouverts 6 jours semaine. On vous invite à consulter le site de la STS. Et à partir de ce moment-là, vous êtes en mesure justement de télécharger la valeur marchande de ces jetons sur votre carte. Et à partir du moment où vous êtes propriétaire d'une carte, celle-ci vous permet de voyager de façon sécuritaire et aussi, si jamais vous avez besoin d'ajouter des fonds à celle-ci, vous pouvez le faire dans un des 15 points de service qu'on a sur le territoire. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est la carte La Pratico. Comme je disais tout à l'heure, on veut éviter justement le port et la maintenance d'argent et c'est la solution pour vous en tant qu'usager ou futur usager de la STS. Celle-ci permet de télécharger 10 passages. La même chose pour les correspondances. Vous avez le 90 minutes à partir du moment où vous entrez dans l'autobus pour utiliser le transport en commun, soit une ou deux fois, de façon gratuite après l'avoir payé la première. Donc, une façon intelligente, sécuritaire d'utiliser le transport en commun. Donc, on vous invite à vous procurer celle-ci. Elle est gratuite. Pour les gens qui utilisent le transport adapté, le conseil d'administration de la STS a mandaté justement la direction générale à travailler sur l'implantation de la carte La Vermeilleuse. Entre-temps, on vous invite à utiliser votre carte mensuelle, le payer comptant ou les jetons. Et aussi, à suivre la STS, soit en ligne ou sur les réseaux sociaux, on travaille justement à l'implantation de cette carte La Vermeilleuse pour les utilisateurs du transport adapté.